j'ai simplement voulu aujourd'hui vous recevoir pour vous féliciter et pour vous montrer que l'État vous soutient totalement dans la démarche que vous avez entreprise. La réception organisée par le Premier ministre était vraiment pour une nouvelle fois apporter l'assurance du soutien de l'État à la candidature. C'était aussi un point fait par Edgar Gros-Piron sur cette étape qui vient d'être passée et qui a défini définitivement Annecy comme une ville candidate. Vous présentez un nouveau concept. Et ce nouveau concept se fera fort de porter notre ambition. Le CIO a été extrêmement clair avec nous. Et de notre point de vue, c'est une opportunité vraiment pour rebâtir ou redéfinir un concept qui soit un concept de Jeux Olympiques. Qui s'articule non pas sur tout le territoire comme on l'avait défini au début, mais sur deux pôles qui vont devenir des pôles d'excellence et permettre d'irradier toute la région. L'objectif de cette manifestation, c'est d'abord de nous rencontrer de la façon la plus conviviale qui soit. Merci. Et c'est une marque de confiance que nous soyons ici aujourd'hui, tous réunis avec les élus, le monde économique, le monde sportif et associatif, pour soutenir cette candidature. C'est vraiment, on est content d'être là, quoi. Tout le monde a envie d'y aller, il faut se mettre au travail parce que maintenant qu'on y est, il faut y aller à fond, hein, c'est ce que m'a dit Ramayad, il faut y aller à fond, il faut gagner.